Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien ce week-end de septembre. Alors pour bien poursuivre ce dernier, le grand barbu et moi-même allons vous proposer aujourd'hui une revue sur le Power of the Prime Battle Slash en hommage au Duocon Battle Trap sorti en 1987. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous donne rendez-vous peut-être à tout à l'heure. Allez, bisous les petits amis et bonne revue. Et voici pour commencer la petite boîte, le packaging donc de notre Decepticon Battle Slash, voilà, où on retrouve comme à son habitude donc un très très joli artwork dynamique montrant notre Battle Slash en plein combat. Et au dos de la boîte, donc nous retrouvons notre produit commercial, donc à savoir voilà qu'il peut se transformer en hélicoptère, en robot. Et qu'il a une troisième transformation, puisque comme je vous le disais au début, il s'agit d'un hommage aux générations 1 Duocon Battle Trap. Voilà, donc un petit peu pour ce qui concerne donc la petite boîte. Nous retrouvons également la petite carte collector. Voilà, avec le même artwork que sur la boîte. Et au dos de la carte, voilà, on nous explique qu'il inspire ses alliés avec une bravoure et une force qui surpassent sa taille. Voilà, un petit peu donc concernant la petite carte collector. Nous retrouvons bien évidemment la petite notice d'utilisation. Et voici sans plus tarder notre Battle Slash dans son mode alternatif. Voilà, donc un petit hélicoptère. Que voici, que voilà. Donc on a vu mieux, hein, enfin moi personnellement, donc j'ai vu mieux en termes de Transformers à l'échelle Legends. Mais bon, il faut savoir qu'il a trois transformations, dont une où il se combine donc avec son pote Rod Trap, voilà, pour former un plus gros robot. Donc voilà, qui explique aussi peut-être pourquoi le mode alternatif est sans doute un peu plus succinct, un peu plus banal que ce que Hasbro nous a donné l'habitude de voir. Donc on retrouve néanmoins donc voilà un cockpit tout en bleu avec le logo Decepticon. Quelques petites touches de peinture également rouge sur les côtés. Voilà, un petit peu de bleu aussi par là. Voilà concernant le dessus. L'undercarriage qui reste assez discret pour un petit Legend, c'est pas trop mal. On a un petit peu notre pépère et donc le creux que vous avez ici est tout simplement la connectique hein, pour le relier à Rod Trap. Voilà en ce qui concerne notre petit poteau Battle Slash, donc avec l'hélice bien entendu qui tourne. Alors on nous explique également sur la boîte qu'il est possible, alors je ne sais plus où j'ai mis mon petit Titan Master, voilà, qu'il est possible de pouvoir y placer un petit Prime Master ou un Titan Master. Voilà, donc oui, c'est très ridicule. Mais voilà, il peut le faire. Alors on peut aussi le mettre sous sa forme, voilà, sous cette forme-là. Donc un petit plus non négligeable. Petit comparatif à présent avec nos Autobots Power Glide et Seaspray. Voilà. Pour nous donner un petit peu donc une idée de l'échelle de ce dernier, donc qui reste bien dans la lignée des Legends. Et le voici à présent donc aux côtés de notre Takara Deluxe Eyebrow issu de la gamme Titans Return. Voilà, donc, pour vous donner une idée, hop là, pour vous donner une idée du gabarit. Voilà, deux Battle Slash.
Voilà, donc après avoir fait le tour de notre duocon, nous allons pouvoir à présent nous attaquer à l'étape transformation qui est assez intéressante et assez recherchée. Elle comporte quand même quelques étapes. Donc pour commencer, vous allez prendre le nez de l'hélicoptère et le ramener comme ceci. Ensuite, vous soulevez ces parties-là. Vous voyez, vous avez donc deux petits ergots de chaque côté qui viennent se loquer ici et ici. Donc vous ouvrez cette partie-là de façon à pouvoir donc détacher, voilà, toute cette partie-là qui va venir former les bras. Ensuite, on va passer à l'étape des gambettes. Donc, vous pouvez séparer celles-ci, les positionner ainsi. Vous n'oubliez pas de bien, voilà, repincer le tout, rapprocher le tout et alloquer cette pièce-là. Ensuite, vous faites un demi-tour du bas des jambes et vous remontez les petites hélices arrière comme ceci. Ensuite, nous repassons. Alors, on vient rouvrir à nouveau cette partie-là. Nous repassons aux bras. Donc, vous les positionnez ainsi. Ensuite, vous orientez le bras comme ceci, comme ceci. Et nous avons donc les deux bras de transformer. Ne reste plus qu'à soulever cette pièce-là, à sortir le cucu, la tête-tête, à refixer le tout. Et voilà notre ami Battle Slash dans son mode robot. Voilà. Donc le mode robot est déjà un petit peu mieux que le mode véhicule, bien qu'il soit assez trapu dans sa forme. Hein, des grosses cuisses, des grosses jambes, une poitrine assez proéminente aussi, des bras un petit peu plus fins. Voilà. Mais le robot reste quand même très sympathique, je trouve. Moi, il me plaît pas mal. Alors, on peut faire un zoom tout de suite sur le visage. Alors, une petite mise au point ne serait pas du luxe. Voilà. Donc, le visage qui, pour sa taille, est plutôt pas mal réussi. On retrouve également donc du bleu métallique sur le devant, le symbole Decepticon. Les pieds en bleu. Voilà pour ce qui est du côté. Et pour le dos. Alors pour le dos, vous pouvez placer donc le nez comme ceci ou le remonter comme cela. C'est au choix. Voilà ce que ça donne de dos. Donc plutôt pas mal. En termes d'articulation, donc nous avons la pub d'Ov, il n'y a pas de souci. Nous avons également donc un ball joint au niveau du coude qui permet une rotation intégrale de ce dernier et une pliure à 90 degrés. Le buste est fixe. Nous avons le grand écart JCVD qui l'assure à merveille, dans ce sens et dans ce sens. Donc nous avons la cuisse sur ball joint hein, qui permet donc d'avoir une amplitude de mouvement assez conséquente. Nous retrouvons également donc un angle et une pliure à 90 degrés donc pour le genou. Voilà un petit peu donc pour notre pépère Battle Slash.
qui, malgré sa taille, donc, est quand même pourvu de quelques points d'articulation non négligeables. Voilà, et il prend bien la pose. Petit comparatif d'échelle à présent, donc auprès de Powerglide et de Highbrow. Voilà, pour vous donner une idée à peu près de l'échelle de Battle Slash en mode robot. Donc voilà, hein, ça fit plutôt pas mal. Rien à dire de ce côté-là. Voilà, donc après avoir étudié notre Battle Slash dans son mode robot, nous allons à présent pouvoir nous attarder à la transformation donc pour le mode Combiner. Alors pour cela, vous commencez par ouvrir la partie du chest, vous rentrez la tête à l'intérieur, vous en profitez pour placer ces pièces ainsi, hop, vous placez les jambes qui du coup se transforment en bras, vous refixez cette partie là comme ceci. Ensuite on va passer donc au bras, hop. Vous positionnez le premier bras comme ceci et le second comme ceci. Et vous essayez donc de bloquer l'hélice entre les deux. Voilà. Et dernière étape, vous abaissez le chest principal et vous sortez donc la tête de Battle Trap. Et voilà, donc nous avons la première partie du robot, qui est là encore, je trouve, assez intéressante. Un joli hommage au Duocon de 87. Alors on va pouvoir s'attarder à nouveau donc sur son nouveau visage. Petite mise au point. Voilà, bien fichu. Rien à dire là-dessus. La carrure est déjà mieux équilibrée, on va dire, un peu mieux proportionnée. Voilà, et nous avons donc l'ouverture ici qui permettra de fixer les jambes de Battle Slash. Voilà, et ça, ce sera donc pour la prochaine revue. Voilà un petit peu donc ce que donne notre pépère dans une partie du mode combiné. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour donc concernant le Power of the Prime Battle Slash. Voilà, donc petit hommage au Duocon. Génération 1 bien entendu, donc j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir une petite figurine ma foi fort sympatoche, surtout à l'échelle Legends. Personnellement moi je la trouve sympa, je préfère esthétiquement, surtout en mode alternatif, je préfère son poteau Rod Trap, mais bon ça on le verra donc dans la prochaine revue. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la revue. Et je vous dis donc à très bientôt, profitez bien de votre week-end. Allez, à la prochaine les petits amis, bye bye, tchuss. Bah je comprends pas, on m'aurait menti. Il est où Slash? Comment ça, il est où Slash? Ben oui, Slash, le guitariste. Moi, je pensais que c'était une battle avec Slash. Oh, mais qu'il est con. Définitivement con. Ouais, ben moi, je croyais que j'allais voir Slash, un point, c'est tout. Allez, je me casse si c'est ça. Tchuss, les mecs.